Bonjour, ouverture du vlog. Nous sommes sur le départ. Enfin non, ça fait au moins une heure et demie. Nous allons au Sable d'Olonne pendant 3 jours. Et figurez-vous que nous avons fait Eric et moi une intoxication alimentaire en fait. On a été dans un restaurant, on a mangé exactement la même chose, exactement. Le plat, l'entrée, tout, même l'apéro. Et dès le soir, on avait la nausée, enfin bref, intoxication tous les deux. Là, ça va un petit peu mieux et heureusement, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait, je suis passée à la pharmacie. Mais on va dire que ça va le faire. Nous sommes arrivés. Il est quelle heure ? Presque 13h40. 30, on va manger. Et ce qui est plutôt très cool, c'est qu'il fait beau. Est-ce que vous souhaitez un ticket carte bleue ? Non, merci. Tu veux que je t'aide ? Non, mais je vais t'y mettre un prix. Mangue, et je sais plus quoi. Ça va, il est bon le café là. Ouais. Un peu de situer. Oh, qu'est-ce que tu vois ? Ah, yes. Qu'est-ce que tu viens de voir, Caroline ? L'océan. L'océan Atlantique pour la première fois de ta... Non, exagère pas. De ta journée. Ouais, voilà. Votre destination se trouvera sur la droite. Il y a des vélos qui roulent partout sans idée du code de la route. Le code de la route n'existe plus. On a trop... Est-ce que c'est sur blanche pour le tour, je crois. Ouais, bah de toute façon, on reste garé là. On est juste devant l'hôtel. Ouais, ouais, ouais. Tu les laisses là, je les prendrai pour ce soir. Ah, quoi que si, on va les monter. Si, on va les monter. Faut en profiter parce que demain, c'est pas sûr qu'il fasse beau. Très grand lit, on a un balcon, ah ça c'est cool, vue sur la mer, génial. Bébé viens voir. Qu'est-ce qui se passe? La vue. C'est bon? Waouh, on est au premier, c'est cool. On est directement sur la plage du TV. Ouais. Oh, elle est jolie là. Si tu veux t'asseoir le matin pour prendre... Mais bien sûr. Ah j'adore. Oh, bah, tu peux prendre un petit cocktail ici. Je vais me recoiffer vite fait parce que... Dès l'instant où tu arrives au sable, c'est foutu. Alors, ils sont en partenariat avec... Je connais pas ça. Omniscience, Tétonique, ok. Je suis passée, j'ai fait un petit tour là quand on a mangé, juste à côté il y a un Sephora. Parce que je n'ai plus pour mes sourcils, je fais pas beaucoup mes sourcils et elle a été tellement de bon conseil, donc elle m'a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux. Elle m'a dit ça fait un an qu'elle l'a. Et puis je me suis repris un petit crayon pour les lèvres que j'ai et un eyeliner. Voilà, le pinceau pour appliquer ça. Mais alors vraiment, ça va me durer longtemps, je pense. Hein. Parce que mes sourcils, ils sont un petit peu. Enfin, faut que je les travaille. C'est un contour. Voilà. Il est 6h30. On est allé voir ses parents, on est allé faire des courses pour eux également. Et là, je me suis posée à l'hôtel. Et je peux vous dire que j'apprécie la vue. N'empêche, c'est mes vacances. 2 jours de vacances. 2-3 jours de vacances. Je vous ai dit ou pas, c'est 2 nuits. Ça fait toujours ça le premier jour avec l'oxygénation. Je ferme les yeux, je dors. Je vais rejoindre Eric. Je sais pas. Je vous montre la piscine. Je crois qu'ils ont encore tout changé. La déco. Ça, c'est la salle de réception. Piscine et le bar juste ici. Il y a un spa aussi là-bas. 302 s'il vous plaît. Merci. Non. Oh, je ne sais pas prendre moins, non. Merci. Alors. Bon, comment ça, il y a un petit peu de vent, donc je suis bien contente. Ah oui, ça je l'ai trouvé tout à l'heure, 19 euros, Pinky. Quand j'étais au sable, Eric m'emmène manger dans un endroit sympa comme tout, qu'on ne connaît pas du tout, un petit peu en retrait. Donc là, il y a l'océan, il y a une piscine, ça fait très, très vacances, et il y a une femme qui chante. L'océan, piscine, et puis des gens qui mangent. Donc voilà, vu d'ici, c'est sympa quand même. Cocktail excellent. Enfin, en tout cas, super joli déjà. Bon, moi j'ai pris filet de bar. Donc le riz, c'est parfait. Ah, toi, j'avais même pas vu, tu t'es fait plaisir là. Pensez-vous qu'on peut être sous avec un baba au rhum? Je dis oui, imbibé. Waouh! On a poussé un petit peu, bon, vraiment pas loin, mais moi qui kiffe les couchers de soleil, c'est juste pas possible ça. Regardez la beauté avec la baie là. Donc
les sables sont vraiment là-bas. Oh, c'est du vieux. Franchement, je suis capable de dormir. On va croire que ça fait du bruit, mais c'est trop chouette. Bon, nous sommes devant le même matin. Oh, ça vient de là. Regarde-moi ça. Oui. Salut. T'as bien dormi, toi? Moi, j'ai extrêmement mal dormi. Il faisait trop chaud, ça ne fonctionnait pas. La clim. Mais j'ai eu très très chaud, il n'y avait pas d'air, du coup, bah, j'ai ouvert. Bref, fatiguée. On se prépare, on va aller déjeuner. J'ai pas ma perche, donc c'est possible que ça tremble. Impeccable. Enfin, c'est pas ouf le temps, mais ça peut évoluer, hein, avec les marées. Alors, vu qu'on va manger au resto, je vais prendre deux. Il est 10h40 et le temps a nettement changé. Parce que finalement, nous on va là-bas, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et on voit que ça se dégage. De toute façon, son papa il me l'avait dit que normalement aujourd'hui ça allait être assez. Enfin, ça passait. J'ai ma vidéo qui est sortie hier soir parce que je l'avais tournée en fait. Je l'ai tournée hier ou avant-hier. Je l'ai tournée avant-hier, oui, parce qu'hier on est parti. Pour celles et ceux qui ont regardé ou qui regarderont, sachez qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'étais en intoxication alimentaire. Mais je voulais absolument la tourner pour que ça ne décale pas et pour être tranquille dans ma tête, mais dans l'état. Je vous dis, j'étais barbouillée au possible. Et je rebondis sur le fait que les personnes qui ont commandé ou qui souhaitent commander la box d'août, sachez, parce que pour certains, je le fais, enfin vous m'avez envoyé un petit message, donc je le note sur mon petit tableau. Les personnes qui partent en vacances en août et qui souhaitent la recevoir plutôt à leur retour, vous m'envoyez un petit message en privé, je le note et puis je vous enverrai ça en décalé. Il suffit juste de me le dire. Là, on n'est plus du tout à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là. On est passé à Saint-Gilles, mais trop de monde. Saint-Hilaire-de-Riez. Ah là, c'est Saint-Hilaire-de-Riez. Voilà. Il est déjà 13h, finalement. Alors, les restaurants avec une telle vue, c'est quand même pas mal, hein. Pilour, restaurant sur l'océan. Tant qu'à faire, allons à l'extérieur. Oh, petit espace privé. Ça va, Caron? Ah oui. Ça te plaît? C'est très beau, hein. Ce soir, je bois un petit verre avec des éclairages. Quand tu vas dans le restaurant, pour le faire rire. Dans les rochers, il y a quoi déjà? Des fruits? Ah, un coulis. Bon, inutile de vous dire que nous nous sommes régalés. Je voulais vous montrer quand même. Donc là, c'est la vue extérieure et la vue sur l'océan. Nous étions là pour manger. Ça doit être très sympa ici le soir, hein. Je suis rentrée à l'hôtel après le resto qui était donc à 30 km. Il fallait que je passe prendre de space fond. J'ai super mal aux ovaires. Ça m'arrive de temps en temps et puis pour être tranquille. Et en fait, je me suis assoupie. Il doit être 17h30. Donc je vais aller rejoindre Eric. Je sais pas ce qu'on fait ce soir. Donc c'est la dernière soirée. On est là que de nuit. Ça me fait un bien fou. Ne serait-ce que l'air marin, bien manger. Parce que c'est de la très bonne nourriture. Manger du poisson, j'en mange pas souvent. Des bons légumes. C'est vraiment un bien fou. Je me suis attachée les cheveux. J'attends Eric dans le hall, enfin dans l'hôtel. Il y a pire comme endroit. Par contre, il fait chaud. Ok. Puis après, on va aller dans le sable, boire un petit apéro, puis se poser. Ils ont vraiment tout changé là. Avant, il y avait des bancs tout le long. Bon, on s'est trouvé un petit spot bien sympa. Ah bah carrément. C'est original, regardez. Ça se trouve, on va même pas bouger de la soirée. C'est possible. En toi, pina colada. Et moi, c'est y a du concombre, du jus de concombre, gin tonic. Voilà. La vue est sympathique. C'est très particulier. Hein. Bon, je cherche encore le concombre. Et puis, attends, c'est quoi ça? Ils m'ont mis des baies. Je sais pas trop si ce sont... Non, c'est pas du poivre. Hein. C'est coucher de soleil. C'était quand même pas gagné hein, ce matin. Rappelez-vous, quand on s'est réveillé. Je vous le dis, la marée, c'est très fluctuant. Notre hôtel, il est tout là-bas, tout là-bas. Bon, on a dit que c'était les vacances. Hein. Il y a eu un petit lâcher. La vue est magnifique. La soirée est magnifique. J'espère que vous avez filmé ce moment incroyable. Oui, merci. Alors, incroyable, c'est dans la boîte. C'est
On a dormi toute la nuit avec le bruit des vagues. Et finalement, nickel, ça m'endorme instantanément. J'adore ça. Bon, c'est un peu compliqué ce matin. Ça pique vraiment beaucoup pour moi, en tout cas, ce matin. Compliqué. Mais je vais me rattraper. J'ai envie de me faire des œufs à la coque, notamment. Là, allez, on va se faire un petit œuf. Je dis pas de conneries, c'est comment? Non, il y a le boulanger à côté. Ouais, toujours se mettre comme ça. Non, toujours. T'as pas l'impression d'être un petit alors, peu... nous sommes dans les Halles parce qu'on va manger, on part vers 14h, mais on va manger un poulet. Là, on l'a commandé avec des patates, des fruits. Non, mais les fruits, s'il vous plaît. Les grenades, je vous en parle. C'est entre 2€, 3€ une grenade. Elle est à 9,90€. C'est pas possible. Vous avez vu, j'ai mis ça là. Pratique aussi. On est retourné dans le marché des Halles pour acheter des fruits. Regardez, c'est un petit kiosque d'un fleuriste. Hyper atypique, joli comme tout. Là, il y a toutes les épices avec différents thés, décoctions. Ah, je l'ai. Ouais. Ouais. Mais bien sûr, il va falloir que j'élucide ce mystère de la grenade à 10€. Quoi? Ah oui. Non. Bon, j'ai eu ma grenade, il me l'a faite à 2€ de moins. Elle était belle. Mais quand même, 7,90€ la grenade, il l'a mis à 9,30€. Bon, il était cool. On a pris des bonnes pêches plates aussi, des abricots. Et puis on a acheté des bons gâteaux. Tu veux que j'aille au gâteau, moi? Oui, c'est juste tu sais, là, au okay. Camion. Hein. Bah juste à côté. Hein. Il m'a fait goûter tous ses fruits, franchement, excellent. Là, on va être dans une des plus belles pâtisserie des sables. Le choix va être compliqué. Nous avons un fion. Le fion vendéen.